Angelina, c'est très bonne performance de l'équipe et malgré tout perdu, déçu. Non, je suis pas déçu. Je suis plutôt content d'avoir retrouvé l'enthousiasme et surtout l'attitude et le comportement des joueurs. Ça faisait 5-6 matchs qu'on l'avait perdu. On a gagné des matchs en jouant beaucoup plus mal que ce qu'on a fait ce soir. Et je trouve que ce soir, la qualité du jeu entre les deux équipes était belle. Il y avait du beau hockey. Il y a vraiment eu un bon derby. Et à quelque part, ce soir, pour moi, on a gagné un point et on n'a pas perdu. Alors, quand même, soirée positive. On voit que c'est quand même deux très bonnes équipes qui ont joué l'une contre l'autre. C'est des équipes qui jouent le haut du classement. Au niveau de la suite du championnat, ça reste quand même comme ça. C'est des équipes à battre des deux côtés cette année. Oui, je pense qu'on est une équipe, lorsqu'on joue comme ça, lorsqu'on est une équipe dynamique et concentrée et surtout déterminée comme on a fait ce soir et surtout appliquée, ben, on est une équipe qui est difficile à battre. Je dirais que le championnat va être long pour certaines équipes. Maintenant, nous, comme je vous l'ai dit, je suis très rassuré du retour du groupe et du travail de groupe qu'on a fait ce soir. Et tout le monde a mis l'effort et a mis le travail vraiment pour le HCCI. Et j'en suis très content. Et c'est pour ça que je vous dis que ce soir, je suis très content d'avoir gagné un point. Plus de ça, une semaine de pause maintenant qui va faire du bien aussi à certains joueurs aussi pour se reposer un peu plus. C'est positif. Elle tombe bien aussi cette pause. Oui, elle tombe bien, elle va faire du bien. On va beaucoup travailler cette semaine. On va continuer à travailler cette semaine. On va plutôt donner congé ce week-end aux joueurs parce qu'ils en ont vraiment besoin. Mais on se remet au boulot direct lundi. On a gain mercredi prochain et le match de coupe le vendredi. Alors du coup, faut faire attention. Faut pas mettre sur off. Faut juste mettre en veille. Merci beaucoup.